Les locataires, c'est un preneur de bail sous contrat. Ce contrat, c'est ce qu'on appelle contrat de bail. Donc en face de lui, il y a un bailleur. Donc il y a échange entre une maison et le moyen financier. Donc le locataire met des moyens. En contrepartie, on lui offre une maison en location. Voilà, il devient locataire. Nous avons aujourd'hui dans notre pays, nous avons deux lois en matière de bons loyers. Nous avons le bail professionnel. Là-dedans, nous retrouvons les locataires commerciaux, industriels et tous les autres. Aussi, le bail non professionnel. Là-dedans, nous trouvons les socioculturels et les résidentiels. Ça doit se régir autour de textes légaux. Dans notre pays, nous avons, s'il faut prendre les bails non professionnels, nous avons la loi 15/25 relative aux bons loyers non professionnels du 31 décembre 2015, qui a été promulguée par le chef d'État. Cette loi-là a 49 articles. Et c'est autour des 49 articles-là que l'État, n'est-ce pas, a clairement étalé les comportements de ces trois parties, notamment, même pas trois. Vous avez les locataires, vous avez les bailleurs, vous avez les commissionnaires et vous avez nous, les partenaires. S'il faut étaler les 49 articles ici, nous prendrons une journée. Mais le fondamental dans notre pays, la population se lamente beaucoup plus sur le phénomène de garantie locative. Au lieu que la garantie locative soit de 3 mois pour le résidentiel, et de 6 mois pour les socioculturels, parce que nous sommes dans les non-professionnels, le bailleur préfère percevoir, en violation de l'article 18 de la loi en question, ils perçoivent 10 mois de garantie, 15 mois, et c'est là où ça fauche tout. Le locataire n'est pas venu enrichir la maison de quelqu'un, il est venu louer une maison. Et là, l'État a pris des précautions, des dispositions pour protéger les deux parties, éviter aux locataires les abus. Qu'est-ce qu'on appelle, on ne vit pas, on vit les abus. Le bailleur prend la garantie locative d'autant qu'il veut, en destruction, non seulement en violation de la loi, mais aussi en destruction de la vie de l'autre, parce qu'il déstabilise les budgets de notre partenaire, en fait notre membre à nous. Ce qui fait que l'État aujourd'hui est dans l'obligation, n'est-ce pas, de réguler normalement le système et puis veiller à son contrôle. Oui, les problèmes les plus permanents dans nos cours de tribunaux, c'est beaucoup plus autour de la garantie locative. La garantie locative, aujourd'hui, ne respecte pas même le budget du Congolais. Vous voyez un peu une maison qui coûte 300 dollars par mois. On vous demande de payer 10 mois. Vous devez débourser 3 000 dollars. Et les 3 000 dollars vont dans la poche d'un individu. Et il commence à les utiliser, oubliant que c'est de l'argent à remettre. C'est là où l'État congolais, nous, la Ligue de locataires, on lui demande de bancariser le système. Il n'est pas normal, même sur le plan comptable, quand on ne peut pas accepter qu'un individu autre que celui qui est propriétaire de l'argent l'utilise à bon escient sans que le propriétaire lui donne l'autorisation. Donc les amortissements qui sont dans la garantie locative oblige aux financiers de ne pas permettre à cet homme-là ou à la dame de percevoir l'argent d'autrui, garder ça pendant autant d'années sans que ça soit sécurisé. Et les conséquences, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le bailleur s'est dit, écoutez, avec cet argent, je peux marier mon enfant. Avec cet argent, je peux m'acheter à manger. Avec cet argent, je peux payer les minimums des enfants. Et cette fois-là, on abuse tout ce qui est norme en matière de comptabilité. Je reviens toujours au problème de la garantie locative. L'article 18 est clair. Il y a, je crois, 4 alinéas là-bas. On interdit aux bailleurs de percevoir la garantie locative dépassant 3 mois, 3 mois, oui, et 6 mois pour les socioculturels et les résidentiels. S'il dépasse ça, l'article 39 est clair. Il doit être sanctionné de 1 à 3 mois de servitude pénale principale et de 3 à 6 mois
des amendes équivalentes à un mois de loyer. C'est, le législateur a clairement établi ça et l'État congolais a l'obligation de l'appliquer. C'est faire appliquer les minimums de mesures qu'on a. Commencer par là. Et lorsqu'on aura appliqué les minimums de mesures qu'on a établi, l'État congolais est obligé aussi de mettre en place la politique en matière de l'habitat. S'il n'y a pas de politique, nous risquons de continuer à subir la loi démographique jusqu'à se bloquer à un certain moment. Donc l'État peut faire avec ce qu'on a en main, les mesures, et aussi mettre en place une politique de l'habitat pour affronter les taux démographiques actuels. Oui, le lanceur de la campagne, ce n'est pas moi, c'est le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Nous ne sommes que des partenaires et nous l'accompagnons. La campagne qu'il a lancée, c'est sur la vulgarisation de la loi 15/25 relative au bois loyer non professionnel. Sûrement, c'est autour du phénomène de garantie locative. Et non seulement ça, mais chaque Congolais a aussi le droit d'être identifié. On ne peut pas être locataire de quelqu'un 5 ans, 4 ans, on ne vous connaît pas. Parce que les locataires et les bailleurs sont redevables. Ils ont des redevances à payer auprès de l'État. Alors quand quelqu'un fait 5 ans, l'État ne les connaît pas. Et qu'est-ce qu'il verse dans la caisse de l'État? C'est aussi un élément important à prendre au sérieux. Comment on peut avoir autant de millions de locataires et le ministère de l'Urbanisme n'a pas de recettes? C'est là le problème. Donc notre préoccupation est que le ministre, cette fois-ci, Pius Mabilou, je le cite nouvellement parce que nous sommes d'accord avec lui, on est satisfait de ce qu'il fait, nous sommes condamnés de l'accompagner. Et quand on va l'accompagner, c'est pour lui dire ouvertement qu'il doit aboutir à un résultat qui va faire plaisir et aux locataires, et aux bailleurs, et à nous les partenaires, et aux Congolais en général. Voilà. Je demande à tout Congolais, notamment à vous, de nous accompagner dans cette lutte-là. Nous demandons la contribution de tout un chacun pour que ce domaine de l'habitat, qui est un domaine très sensible, un domaine humanitairement sensible, que la solution soit trouvée, qu'on relève les défis et que les choses s'améliorent au fur et à mesure que le combat va continuer.